papa va coucher sa petite fille de 3 ans, il lui raconte une histoire et écoute ses prières, qu'elle termine en disant « Protège ma maman, protège mon papa, protège ma grand-mère et au revoir grand-père. » Le papa demande « Pourquoi dis-tu au revoir grand-père ?» La petite fille dit « Je sais pas papa. » Cela me semblait la seule chose à dire. Le lendemain, le grand-père meurt. Le père se dit « C'est une étrange coïncidence. » Quelques mois plus tard, le père couche sa fille et écoute ses prières qui se terminent par « Protège ma maman, protège mon papa et au revoir grand-mère. » Le lendemain, la grand-mère meurt. Le père, abasourdi, se dit que sa fille est en contact avec le au-delà. Quelques semaines plus tard, alors qu'il vient de lui raconter une histoire, il écoute ses prières. Protège ma maman et au revoir papa. Réellement choqué, l'homme ne dort plus de la nuit, va au travail tôt le matin, nerveux toute la journée, et regarde sa montre sans arrêt et reste là, son bureau jusqu'à minuit. Il est toujours vivant et décide de rentrer à la maison. Sa femme étonnée lui dit « C'est bien la première fois que tu rentres aussi tard du travail. Que s'est-il passé ?»« J'ai passé la pire journée de ma vie. Mais n'en parlons plus. » Elle répond « Tu as eu une mauvaise journée. Mais tu n'imagines même pas ce qui est arrivé. Ce matin, le facteur est tombé. Mort devant la porte. » Voilà, c'était la blague de Fred. Si vous n'avez pas compris, venez dans les commentaires, je vous dirai ce qui est arrivé exactement. Allez, à la prochaine. Salut.